Ce n'est pas grave. Vous apprendrez. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Enfin, c'est par là. Avouez quand même que c'est le summum du raffinement. Ouah ! Bonsoir, je suis Bob Lennon, et continuons les aventures de George, tu sais qui. Alors qu'il... Regardez-le, il est tellement smug, si jeune, et pourtant si sûr de lui. D'accord. Agressé par la culture, allons-y. Voyons voir les temps de chargement sur PC. Ils sont magiques. C'était extrêmement court, je trouve, si je puis me permettre. Et on repop directement dans le... Révelio. Révelio. Ah, ok, y'a rien ici, très bien. On repop directement dans le dortoir, allons-y. Oui, et en face, ça met nous, ça en face. Un autre dortoir. Révelio. Un autre dortoir, d'accord, très bien. Et par là, c'est où? Ah, c'est la salle commune, ok. Les présentations s'imposent, il me semble. Excellent, 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 allons-y. Et par là. Ah! Le dortoir des filles. Très bien, Poudlard, très bien. Des filles acceptées. Il n'y a rien là-dedans. Ce sera modé. Très bien. Allons parler aux gens qui seront nos collègues de travail durant toute cette année fantastique. Mais d'abord, avant toute chose, il n'y a pas des pommes qui s'annoncent. Tu perdras la partie. Crois-moi. Ah! Imelda Reyes, c'est donc la baxiteuse. Tu ne vas pas faire ça, quand même. Hé, hey, regarde ça. Je t'aurais prévenu. Échec et mat. Je te l'avais dit. Il aurait mieux fait de m'écouter. Ah, je sais qui tu es. C'est toi le nouvel élève de Serpentard. Tu as débarqué hier soir avec le professeur Fig. Pas mal comme tactique pour un premier jour. Voler la vedette aux premières années. Au fait... Je m'appelle Imelda. Dommage que je n'ai pas été avec Fig et toi. J'aurais pu distraire ce dragon. Sur un balai, mes compétences sont légendaires. Vraiment? On s'en est occupé. Et je pense que tu sous-estimes la force d'un dragon. Il n'aurait fait qu'une bouchée de ton balai. Pas avec moi dessus. Peut-être qu'un de ces jours, je te montrerai un ou deux trucs sur le vol. Je peux t'apprendre bien plus de choses que le professeur Kogawa. En parlant de ça, j'aimerais enfourcher un peu mon balai avant le début des cours. Rappelez-vous, nous sommes en 1900, tout est légal. Tu joues beaucoup aux échecs version sorcier? Tu savais que cette fille allait perdre la partie? Pas vraiment. C'est un passe-temps trop rasoir à mon goût. Et puis, c'est pas assez difficile pour moi. Les coups sont d'une telle évidence. Pourquoi personne d'autre ne les voit? Je vois. Je diagnostique un cas sévère d'autisme. Tu as beaucoup de temps pour voler entre les cours? Je trouve le temps. Il n'y a rien de tel que virer entre les flèches du château et autour du terrain de Quidditch pour se vider la tête. Ok, bon, j'imagine qu'en sortant de Dlarpou, tu pourras trouver un travail comme, je ne sais pas, présentatrice ou voix dans les publicités. Au revoir, Imelda. C'était un plaisir! Pouah! Vous avez vu ça? C'était un plaisir! Deadface. D'accord! Serpentard! Oh, 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 oh. Mais c'est qu'elle remonte dans mon estime, la bougresse. Allons-y. Oh, même dans la mort, il souffre. Vraiment, Serpentard! Le comble! Le summum du raffinement! Je crois que j'en ai entendu une. Je doute que les sirènes nous trouvent très intéressants. À en juger par tout ce bruit à ton entrée dans la salle commune, j'imagine que tu es le nouveau cinquième année. Je m'appelle Hominis, Hominis Gaunt. Enchanté, Hominis. Ton arrivée a été pour le moins mémorable. Petit aparté, brave gens, en début d'épisode, le fait qu'il soit aveugle, je trouve ça ultra stylé. Parce que c'est peut-être le seul endroit où un aveugle peut faire des trucs de non-aveugle, si tu veux,
Et que c'est cohérent avec le lore, tu vois. C'est cohérent avec le lore. C'est-à-dire, le mec, il est aveugle, mais il voit quand même la magie. Après, comment il fait pour lire les bouquins à Poudlard? Il n'y a pas de braille, on est en 1900. Mais, il a peut-être un sortilège qui fait que ça les livre à haute voix. Oh, mais tu peux le troller de ouf, du coup. Oh, tu peux le troller de ouf. Disant, tu veux bien me prêter ton livre sur la géographie? Bien sûr, bien sûr. Pardon. Ok. Très bien. Si je veux laisser ma marque ici, il vaut mieux commencer le plus tôt possible. Ah, tu es dans la bonne maison, alors. N'hésite pas à me faire signe si tu as besoin d'aide pendant tes premiers jours, même si je doute que tu en aies besoin. J'imagine que tu sauras me guider à l'œil. Tu pensais être envoyé à Serpentard ? Absolument. Du côté de mon père, nous sommes des descendants directs de Salazar Serpentard, l'un des quatre fondateurs de Poudlard. Pas que j'en sois particulièrement fier. Il était obsédé par les lignées nobles de sorciers, un fanatique du sang pur. Malheureusement, la plupart de ses descendants ne sont pas si différents. Tu ne crois pas si bien dire. J'ai rêvé où cet élève a dit avoir entendu une sirène. Oui, mais je n'ai jamais entendu parler d'une sirène à la fenêtre de notre salle commune. Mais c'est drôle de faire croire ça aux premières années. Certains regardent par la fenêtre pendant des heures. Ah, adorable. Merci, Hominis. Ravi d'avoir fait ta connaissance. Tout le plaisir est pour moi. J'espère qu'on se recroisera. En vrai, il a l'air sympa. Je le trouve Kino. Je vais peut-être pas être méchant avec lui. Un peu, mais prétentieux, mais tu vois, là. Réflexe ! Ça bat les couilles, très bien. J'adore parce que les premières années, les enfants regardent à travers la fenêtre en espérant voir une sirène. En fait, on est en 1900 et c'est leur version de Canal+, tu sais. Quand t'as pas le décodeur. Et que tu regardes le samedi soir et t'essaies de... Ok, merci. Vous êtes peut-être trop jeune, vous n'avez pas la ref. Là-dedans. Sébastien Swallow. Allons-y. Je peux t'aider? Ah, c'est toi qui viens d'arriver. Je m'appelle Sébastien Palo. Bienvenue à Serpentard. Merci. Tout le monde n'arrive pas escorté par le ministère. C'est seulement un ami du professeur Fig qui a fait la route avec nous. Et pourtant, ça reste impressionnant. Quelle horreur, le pauvre. Je suis content que vous alliez bien, Fig et toi. Ce n'est rien. Après tout, des fonctionnaires, on en trouve partout. C'était affreux, évidemment. Mais, quelle expérience inoubliable. Si je m'attendais à ça... Comment vous êtes-vous échappé, Fig et toi ? Pour être honnête, c'est encore un peu flou. Pardon, je suis curieux. Prends le temps de souffler un peu. On parlera plus tard. Alors, je ne sais pas si les gens qui regardent ce jeu peuvent penser et voir ce que je dis, mais ou visualiser ce que je dis, mais je n'ai pas de Gaïdar, j'en ai absolument aucun, et pourtant, même moi, je sens son power level d'ici. Ça veut dire quelque chose ? Quel livre es-tu en train de lire ? Un livre de sorts que j'ai trouvé. J'ai lu des choses intéressantes, mais ce n'est pas ce que je cherchais. Tu t'en rendras compte assez vite, mais tous les sortilèges dont tu auras besoin ne figurent pas dans nos manuels. Tu insinues que certains sorts ne sont pas enseignés à Poudlard ? Lesquels ? Excellent. Je vois qu'on se comprend, tous les deux. On reprendra cette conversation une autre fois. Oh. J'ai été ravi de te connaître. Bonne journée. Oh 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 ! Serait-il... Le nouvel élève de 5e année à Serpentard est-il ici ? Le professeur Weasley t'attend près de l'escalier. Merci, madame. Cet élève serait-il ma porte ? Ma porte, ma fenêtre grande ouverte vers la gloire et le pouvoir ? Oh là 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 là, mais c'est... Oui, un Poséidon, let's go ! Oh là là, je le savais. Je le savais que Salazar Serpentard, c'est vraiment celui qui a... Vraiment, il a même du hentai, regarde ça, il s'en bat les couilles. Cool. Mais... Mais il a pas de protège-boule. C'est pas réaliste. Enfin. Bonjour. Alors, tout s'annonce au mieux pour votre première journée ? Je rêve de cette journée depuis longtemps. J'en reviens pas d'être ici.
Eh bien, vous y êtes. Profitez-en au maximum. On n'a qu'une seule première journée à Poudlard. Bon, étant donné que vous nous rejoignez directement en cinquième année, vous allez devoir rattraper votre retard. D'autant plus qu'il vous faudra réussir vos épreuves de buse à la fin de l'année. Oh, le brevet. B-U-S-E. Le brevet universel de sorcellerie élémentaire. Il déterminera quel type de carrière s'ouvrira à vous après l'école. Après en avoir longuement discuté avec le directeur et le département de l'éducation magique du ministère, nous avons pris des mesures exceptionnelles pour assurer votre réussite. Vous voulez me pistonner? Ça tombe bien, moi. Oh. Tenez, voilà. Oh, oh. Madame, mon livre se barre! Qu'est-ce que c'est? Ceci est un guide du sorcier. Il vous permet de consigner ce que vous apprenez afin que vous puissiez maîtriser tout ce qui est demandé en cinquième année. Je vous conseille de tirer parti au maximum de cet outil exceptionnel et très utile. Merci, professeur. Mais que voulez-vous dire par « suivre ma progression » Peut-être qu'une démonstration répondra à vos questions. Suivez-moi, nous allons vous tester. Putain, j'ai pas eu le temps. Par ici. Pas eu le temps de dormir, il y a déjà un contrôle. La nourriture qui apparaît dans la grande salle ne procure pas de provocation. Coffre de maison. J'aurais aimé avoir la chance de posséder quelque chose d'aussi utile que le guide du sorcier quand j'étais élève. Bonjour. Utiliser le guide vous encouragera aussi à prêter attention à ce qui vous entoure. J'arrive, professeur. Oh, je vois que vous avez pris le temps de vous entraîner. Je flex. Le guide vous proposera des opportunités de pratiquer votre magie et de vous éduquer sur le monde des sorciers. Oh, ne traînez pas. Un kelpie, un cheval d'eau. Pourquoi ne pas essayer de lancer Revelio sur cette statue pour voir ce que le guide du sorcier pourra vous en dire? Pardon, j'étais distrait par ce coffre qui me mate pendant que je suis sous la... Oh. Revelio. Une statue de Kelpie. Ah, j'avais raison. Ça prend un Y en français? Je croyais que ça s'écrivait IE. Enfin bon. Cette statue représente un Kelpie, un monstre aquatique métamorphe originaire d'Irlande et de Grande-Bretagne qui prend généralement la forme d'un cheval à la crinière ondoyante. Le plus grand Kelpie du monde n'est autre que le monstre du Loch Ness, en Écosse. Très bien, un défi du sorcier, votre progression en défi est affichée ici, ok. Les défis du sorcier sont le seul moyen d'obtenir des points d'expérience. Ah! Donc tuer des gens ne sert à rien. Enfin... Passer au niveau de sorcellerie... progression, très bien, oui, sélectionné, oui. Ok, guide du sorcier, oui, de l'arpou. Récupérer les gages, d'accord, et ça débloque des items, ok. Ok, mais le défi, oui. Très bien. Pas mal, n'est-ce pas? Cherchez d'autres opportunités comme celle-ci, à l'intérieur du château comme à l'extérieur. Oh là là, je tiens à dire, regardez, entre deux épisodes, j'ai regardé les ombres. Oh là 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 là, et c'est fluide de ouf! C'est du 60 FPS, alors vous êtes peut-être en 120 ou en 244, mais pensez que je suis sur YouTube. Ça sert à rien, les enfants. Oh là là, ça nous permet de regarder le boule! Le boule de professeur Weasley en HD! Oh, oh, oh. Et voilà! Ah. Oh, c'est beau! Ah, oui, pardon, professeur. Lumos. Ah, juste à temps. C'est l'occasion de vous apprendre à utiliser les flammes de cheminette pour vous déplacer rapidement. Votre guide du sorcier contient une carte du château. Ouvrez-le et cherchez le hall central. Ignata Wellsmith, c'est pas celle qui a inventé les poutres de cheminette, justement? Ouvrez la carte. D'accord, donc les portraits des poutres de cheminette ou les cheminées servent à se téléporter, c'est cool, très bien. Poudlard est divisé en deux zones principales. Côté gauche de la carte, l'endroit où vivent les élèves et les profs, et les salles communes de chaque maison, et c'est la grande salle, ok? Attends, comment dire?
Je peux pas faire tourner la caméra ? Je peux faire tourner la caméra, ok. Et bon, on va suivre le tutoriel pour l'instant. Les flammes, je vous avais découvertes, et les flammes grises, alors que vous avez pas encore trouvé, très bien. D'accord, donc jusque là, ok. Du côté droit se trouvent les points d'intérêt académiques, tels la tour d'astronomie, la bibliothèque et les serres. D'accord, quand ils disent côté gauche, côté droit, c'est les deux différents bâtiments. Ok, donc le côté droit qui est éclairé, c'est là où il y a les salles de cours. Et il faut sortir et passer par les espèces de petits ponts à la Harry Potter, tu vois, pour, arriver dans les gros, pour aller dans les gros endroits, avec notamment, je sais pas si vous voyez, tout en haut à gauche de l'espèce de grosse tour, le gros dildo qui sort de le truc, il y a trois petites tourelles, et c'est là que se trouve l'emplacement où se trouve le directeur, normalement. C'est là où se trouve le dire. Ne me demandez pas comment je le sais, je l'ai appris grâce à des jeux. Allons-y. Avec la bibliothèque pour continuer. D'accord, à débloquer les flammes du hall central pour vous. Merci. Ah. Oh. Ah. Ok. En tout cas, c'est beau, hein. Grâce à Marcus Redblack, absolument. Nous y sommes. Cela nous a fait gagner beaucoup de temps. Cet escalier mène directement dans le hall central. Je suis sûr que ça aurait été très utile à... Depuis le hall central, il est possible de se rendre très rapidement partout dans le château. Mais c'est Wham ? Non ? Non, attends, il est différent, c'est pas le même nez. C'est juste la même coiffure, ok. Quel plaisir de vous revoir. Bonjour ! Il bouge ! Il bouge ! Oh, ça bouge ! Zarma, c'est stylé ! Oh là 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 ! Waouh ! Draco dormiens numcam titiandum. On ne chatouille pas un dragon qui dort. Il s'endort, eh. Il s'est endormi. Excellent. Pardon, mais excuse. J'étais juste abasourdi. Allons-y. Fais voir, en plus, avec les effets d'ombre. Oh, les effets d'ombre! Il se passe toujours quelque chose ici. C'est le cœur du château. Notre garde King's Cross à nous, en quelque sorte. Rebellion. Bien, ce sera tout pour l'instant. Vous allez devoir assister au cours de sortilège et de défense contre les forces du mal, aujourd'hui. Et ne tardez pas à vous rendre après au lard pour remplacer les affaires que vous avez perdues en chemin. Hogsmeade, ouais, vas-y, allez. Vous avez mentionné Préolar, professeur. Préolar est le seul village réservé aux sorciers de Grande-Bretagne et abrite plusieurs boutiques et pubs. Vous devriez trouver toutes les fournitures dont vous aurez besoin à Préolar. Sous peu, vous y dégusterez, j'en suis sûr, nombre de bières au beurre avec vos amis. Quand ta prof te parle de ta consommation d'alcool. Let's go. Pouvez-vous m'en dire plus sur les cours de défense contre les forces du mal ? On est en 1900. La défense contre les forces du mal, comme son nom l'indique, met l'accent sur la protection contre les forces maléfiques du monde qui nous entoure. Une maîtrise parfaite de la défense contre les forces du mal est exigée pour devenir Aurore. Heureusement, nous avons la chance de pouvoir compter sur le professeur Hécate pour enseigner cette matière à nos élèves. Hécate, ça veut pas dire sang ? Vas-y, parle-moi des charmes. Que vais-je apprendre en cours de sortilège ? Tout ce que vous pouvez imaginer. Sorts, enchantements, maléfices, tous très utiles. Je pense que vous allez adorer le professeur Ronon. C'est un sorcier brillant et amusant, doublé d'un enseignant très doué. Ah ! Charmes, enchantements et maléfices. Ça veut dire que Dumbledore, dans le lore Harry Potter, il a changé ça pour des cours de charme. Il a viré les arts obscurs. Je vous remercie, professeur Weasley. C'est beaucoup pour un premier jour. Et vous avez tant à apprendre. Quand l'école en 1900 t'apprend à tirer d'un fusil. Vos professeurs ont accepté de vous confier des devoirs supplémentaires après les cours. Vous rattraperez vite votre retard. Si je me fie à votre habilité à lancer Revelio, je dirais que le professeur Fig a eu l'occasion de vous montrer les bases. En effet,
professeur. Il s'est montré assez vague quant aux événements qui ont précédé votre arrivée, en particulier cette terrible attaque de dragons. Je doute qu'il s'agisse simplement d'une histoire d'affaires égarées et de détours pour arriver au château. Mais c'est qu'elle me teste, la vieille. Je regrette, professeur, mais il n'y a rien de plus à raconter. Le professeur Fig m'a dit la même chose, presque mot pour mot. Quand on parle du loup... Professeur Fig, vous devez avoir les oreilles qui sifflent. Ah ? Oui. Vous semblez avoir donné à notre nouvelle recrue de cinquième année des bases solides en matière de sortilèges. Tout le mérite ne me revient pas, professeur. Je n'ai fait qu'aiguiser un talent certain pour la magie. Quoi qu'il en soit, je suis ravie que vous soyez arrivé entier. Des bateaux et des diligences desservent Poudlard, mais vous, vous choisissez de voler sous le nez d'un dragon. Je ne dirais pas que j'ai choisi le dragon, professeur. Malheureusement, c'est plutôt lui qui nous a choisis. Bien, assez bavardé. Je dois rejoindre ma classe. Ouais, travaille un peu. Puis-je compter sur vous, professeur Fig, pour fournir des explications détaillées sur la carte du guide du sorcier ? Bien sûr. Merci. Je vous souhaite bonne chance. Et n'oubliez pas de vous servir du guide du sorcier. Il vous... Ainsi qu'à moi, puisque je m'en servirai pour suivre votre progression. Oui, professeur. Venez me retrouver dans ma salle de classe après avoir assisté à vos deux cours. Je vous en dirai plus sur les devoirs que j'ai mentionnés. Et nous verrons si nous pouvons aller à Préolard faire quelques emplettes. C'est un rendez-vous. Lumos. Ok, très bien. Revelio. Aha. La fontaine du hall central. Cette fontaine ouvragée est ornée de statues de créatures du monde magique, notamment des sirènes de pierres enchantées qui encerclent la base de la sculpture. Oh. Putain, qu'est-ce que c'est beau! Oh là 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 là! Ah! Ah! Le Death Note! Nani? Qu'est-ce qu'il fait? Oh, il tamponne! Il tamponne des estampes! Oh là là, trop bien. Pardon, excuse-moi. Ok. Tutoriel. Quel plaisir de vous voir, professeur. De même, j'avais bon espoir de vous croiser avant que vous ne replongiez dans vos études. Je vous ai entendu éluder habilement la question du professeur Weasley sur notre retard. Oui, monsieur. J'ai fait de mon mieux, mais je pense vraiment qu'elle soupçonne que nous ne lui disons pas toute la vérité. Sans doute. C'est une sorcière brillante et surtout très perspicace. Vous avez bien fait de ne pas tout lui dire. Nous ne savons pas encore ce qui nous attend au bout du chemin. Elle risquerait de ne pas approuver que vous deviez vous absenter de temps à autre. Et elle pourrait se sentir obligée de donner au directeur des détails que nous préférerions taire. Compris, professeur. Bien. Bon, aussi capable que vous l'êtes, je pense que le don que vous possédez nécessite un entraînement rigoureux. Heureusement, vous avez la chance de pouvoir suivre les enseignements de sorciers et sorcières de talent. À ce sujet, et pour m'éviter un énième reproche à peine dissimulé du professeur Weasley, avez-vous remarqué que la carte de votre guide du sorcier était enchantée ? Dépliez-la que je vous montre. Genre quand le livre a explosé devant moi, si tu veux. Ouais, je vois ça, ouais. Les quêtes principales, très bien. Quête verrouillée, nouveau sortilège, récompense de quête, ok, très bien. Très bien, suivez les quêtes pour continuer, voyons voir. Défense contre le cours des forces du mal. Et cours de sortilège. Écoute, suivons les cours de sortilège. La carte est enchantée de façon à vous aider à trouver votre chemin. Cela me sera très utile. Merci.
Bon, je crois qu'une journée chargée vous attend, entre les cours et vos achats de fournitures après Aulard, notamment votre baguette. Monsieur Ollivander va vous plaire. C'est un artisan hors pair et un ami fidèle. Oh. Je vous contacterai lorsque j'aurai plus d'informations au sujet de notre mystérieux médaillon. D'ici là, concentrez-vous sur vos cours et écoutez bien. Ce que vous apprendrez entre ces murs ne vous servira pas que pour votre buse. Fort aimable, professeur, fort aimable. Lumos. Oh. Révélio. Ça teinte, ça fait Drelin. Ça, c'est un passage secret, mais je n'ai pas le moyen de l'ouvrir. Ah, ça ne fait aucun doute. Ok, d'accord. Ouais. Bon, très bien. Tant qu'on n'a pas les outils, de toute façon, ça sert à rien de faire tout ce qui est les quêtes annexes et tout le reste. On peut juste se permettre de... Qu'est-ce qu'il disait ? Ok, d'accord, ils parlent entre eux. Ça ne peut pas être aussi difficile que ça en a l'air. C'est une quoi, elle ? Sur quoi on va baser notre discrimination ? Ça a l'air d'être une pouf-souffle. Oh ! C'est une pouf-souffle ! Et une pouf-souffle qui aime les pommes, à ce que l'on voit. Bonjour. Je crois pas qu'on se connaisse. Ah, bonjour. Je m'appelle Lenora. Excuse-moi si je te parais un peu distraite. Tout le monde pense que je suis complètement fêlée. Samantha dit que je suis juste bizarre. Mais ce tableau, je ne l'ai jamais vu avant. Je connais bien Poudlard, et crois-moi, un cadre vide n'apparaît jamais sans raison. Quelque chose nous échappe. Est-ce qu'il y a d'autres tableaux vides dans le reste de l'école ? Oui, quelques-uns. Si tu veux mon avis, cet endroit est une énigme en lui-même. Très bien, très bien. Écoute. Si je trouve du temps, j'enquêterai. Ça peut être intéressant. Oh, ça fait longtemps que je me creuse la tête. J'espère que t'auras plus de chance que moi. Et surtout, viens me le dire si tu trouves une idée lumineuse pour résoudre ce mystère. Lumos. Cet endroit doit être un indice. Je devrais regarder s'il ne se trouve pas aux alentours. Un endroit avec un moine obèse. Il me provoque ce... Il y a un chiffon qui me provoque, c'est pas grave. On dirait l'endroit représenté sur le tableau. Qu'est-ce qu'il a de si spécial ? Ah ah ! Tout d'abord... Grégoire le Hautain ! Cette statue au sourire mielleux représente Grégoire le Hautain, un sorcier médiéval connu pour avoir inventé la pommade pomadante Grégoire, une potion qui fait croire à ceux qui l'utilisent que la personne qui leur a donné le breuvage est leur meilleur ami. Lumos. Petit. Je vais te guider jusqu'à ton cadre, petit papillon. Oui, c'est intuitif. J'ai joué à d'autres jeux vidéo avant. Voilà. Je le savais. Je devrais dire à Lenora que j'ai résolu l'énigme de ce cadre. Excellent. Hop là. Une page du sorcier. D'accord, ça ne dit rien. C'est juste une énigme. Okay. C'est juste une énigme, mais ça nous donne rien. Mais attendez, avant ça, on a trouvé autre chose. Voyons voir. Tête de démon. Ok, crabe. Hydre. 17. 21. C'est des mathé magiques. Attends, voyons voir. 11 plus tête de dragon plus point d'interrogation égale score. Le problème, c'est qu'on ignore combien font tête de dragon. Essayons par ordre logique. 1, 2, 3, 3. Donc 11 plus 3, 14. 14 plus 7, 21. Donc il nous faudrait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le lézard. Essayons. Ah ! C'est une énigme Skyrim.
Ensuite, nous avons crabe ou hydre 17. Ah oui, je suis bête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 plus 6, 10 plus 6, 16, plus 1, 17. Donc il faut le morse. Oh, bien. Revelio. Aha! Je crois que c'était l'hydre avec plein de... Ah voilà, excellent. Parfait. Ah Peut-être que c'est une base différente. On va voir si ça ferait sens. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Non, ça ferait pas de sens parce que ça, on n'irait pas. Ou alors c'est une soustraction? Non. Non, c'est pas logique. Ça doit être un jeu qui est fait pour les enfants. Il y a peut-être... Wait. Hop, ce qui voudrait dire qu'il faudrait... Attends. 13 plus 8. Si j'ai raison, il devrait y avoir l'araignée. Je pense que je suis bien. Du coup, attends une seconde. Il me faut 7 hydres à 3 têtes. Il me faut l'hydre à 3 têtes. Il me semble que je l'avais vu. Ah ah ! Bon, si c'est pas basé sur une... Sur une base 10, alors je ne sais pas. Lumos. Lumos. Easy. Alors pour ceux qui se demandent, en fait, il y a 10 symboles et ça fait pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça compte mais en base 10. Et base 10, ça veut dire que ça compte pas jusqu'à 10. Ça veut dire que ça compte jusqu'à 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ensuite, il suffisait d'additionner les têtes qu'on voyait et de faire la simple addition, voyez-vous, de représenter, voir quel symbole représentait quoi et de les rentrer dans les trucs. C'était d'une simplicité sans nom. Mais c'était soit en base 10, soit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais c'est malin parce que le fait de rajouter le 0, je pense que les enfants vont... Je pense que ça va chialer. Des gants! Des lumières, très bien. Des gants, je peux les mettre. Oh, équipement, let's go! Oh là là. Autant les vestes de Poudlard, je suis d'accord. Mais autant il y a charisme. Ok, la vieille écharpe, on s'en fout. Mais alors les gants. Oh, les gants noirs de Georges, tu sais qui. Oh, les gants. Ouh. La distinction. Le luxe. Oula, non. Oh, le béret. Il est dégueulasse. Ok, très bien. Oh là là, regardez-le. Soudainement, tout change. Un jeune homme de bonne famille. Je sais que d'avoir la cape de Poudlard, ça fait un peu le perso, mais sans, c'est... J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. Ah, merci, madame. Excellent. Ça s'ouvre pas. Oh, ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Revelio. Drelin. Badge d'horreur du professeur Sharp. Donc le professeur des potions, il était flic. Oh. Ah bah j'imagine qu'on est dans la salle de potions, sinon ça fait pas de sens. Non. Ça descend. Coffre, 36 pièces d'or. Serrure de niveau 1.
J'espère que je ne suis pas un fourche-langue. On a déjà bien assez d'emmerdes comme ça. Si en plus c'est pour que les schnecks qui me parlent, quel enfer. D'accord, ces portes servent à des temps de chargement. Les portes servent de temps de chargement. Ça s'ouvre, ça? Ça s'ouvre! Oh, il fait moche. Bon, après, c'est l'Écosse, hein. On s'attendait à quoi? Revelio. Ouais, bien sûr. La fontaine de la vouivre. Lors de leur moment de détente, les élèves se rassemblent souvent autour de cette fontaine de la cour de métamorphose surmontée d'une statue de vouivre. Quoi qu'en disent les rumeurs sans doute propagées par Sir Cadogan lui-même, il ne s'agit pas d'une représentation de la vouivre de Wai abattue par ce fringant chevalier. Un elfe ! Bah oui. Ils disparaissent. C'est marrant parce qu'ils ont les mêmes apparitions que dans les visiteurs. Ils disparaissent en prout. J'adore. Plus tard. Ah ! Ah ! Oh le crash ! J'ai crash ! Oh le chat fait crash mon jeu ! Oh et du coup, la sauvegarde automatique juste avant le chat, regarde. Bah oui. Exactement. Tout va bien. Donc tout va bien. Serre de niveau 1. Ah, tout est fermé. Ouvrez, ouvrez. Où suis-je? Je me perds à Poudlard. Toi. Il s'en est pris une. Revelio. Ça teinte. Drelin, drelin. Voilà, là, là, là. Les quatre fondateurs. Oh là 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 là. Fenêtre de l'histoire de la magie. Cet ensemble de vitraux représente Merlin, les quatre fondateurs de Poudlard et d'autres sorciers et sorcières de jadis. Ce jeu est impoli, hein. Il faudrait dire sorcières et sorciers. Quoi qu'on ait en 1920, ils s'en battent les couilles. Serreur niveau 1 qui murmure. Une boule qui tourne. Un tableau qui dort, mais qui m'espionne et... Oh, un fantôme! C'est quelque part logique qu'un fantôme soit en salle d'archéologie. Je me perds, je suis en train de me perdre dans Poudlard. Lumos. Lumos. Une fenêtre et un sphinx. Mais où trouver un sphinx? Oh là là là. Oh là là, mais où suis-je? Revelio. Dans la salle de musique. Oh oui, on peut jouer des grenouilles. Le cœur de grenouille. C'est ici que se perchent les grenouilles gluantes et mélodieuses qui forment le cœur des grenouilles de Poudlard. Ces amphibiens magiques sont capables de chanter une harmonie à 6 et peuvent tenir une note beaucoup mieux que la plupart des humains. Ah, je vois. J'ai récupéré 46$, je passe par les passages secrets. J'ignore où je suis, j'ignore où je vais. Que fais-je, que pourvois-je, que vois-je? Qu'ignore-je? Sa teinte est où de la TP? Un coffre secret! Oh là là là. Revelio. Armure aplatie. Cette armure appartenait à Sir Skagglethorpe, l'insouciant, qui fit erreur de proposer à un troll des montagnes de jouer aux chaises musicales. Et il est mort. Verrouillé, d'accord. Un chat empaillé. Oh, le bonnet trop ridicule. J'ai rencontré mes meilleurs amis en cours de vol. Il n'y a rien de tel que la peur de mourir pour rapprocher les gens. Revelio. Écoute, on va pas
Oh, putain, je peux pas. Quel plaisir de vous revoir. Au secours, Madame, au secours, je me suis perdu. Je me suis perdu à Poudlard. Ok, attends. Halle centrale. Ok, c'est bon. Je me suis perdu. Incroyable. Est-ce qu'ils ont dans le chat, spoilez-moi, est-ce qu'ils ont modélisé tout Poudlard? Est-ce que les mecs, ils ont eu aucune limite? Est-ce qu'on peut visiter les autres salles? Ils me disent oui. Oh. Oh là 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 là, ils sont allés jusqu'au bout du monde. Ah oui, au fait. Tu as trouvé la solution? Il y a 5 heures environ. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que même si je te le disais, tu n'apprendrais rien. Lenora, j'ai résolu le mystère de ce tableau. Vraiment? Comment? Je crains de ne rien pouvoir te dire, Lenora. C'est une plaisanterie, j'espère. Non. Tu aurais dû le déduire toute seule. Non mais quelle audace! Surtout qu'en premier lieu, c'est moi qui t'ai parlé de cette énigme. C'est fou! Résoudre une énigme que j'ai évoquée et ne pas me donner la réponse ensuite. Imelda, la madame je sais tout qui énerve tout le monde à la concurrence. Ah, level up! Vous avez augmenté votre swag. Insulter ce pouf souf m'a fait level up. Oh là. Incroyable. Ok, alors, attends, wait. Before we continue. Cours de sortilège. Allons-y. Parce que je vais me perdre sinon. Ok, ah, mes yeux. Il fait toujours aussi moche. Ah, il fait un peu mieux. Il fait un peu meilleur. Pour de l'Angleterre, c'est pas mal, hein. Pour de l'Angleterre, c'est pas mal. Il fait un peu brumeux, mais on s'en contentera. Et... Oh, statue brisée. Une autre statue de Christophe Colomb. Revelio. Pas de drelin. Ok, bah j'ai rien dit, mes excuses, allons-y. Attends. You've been struck by a smooth criminal. Ok. Patronus. Revelio. Tableau d'Illidius. Cette peinture représente Illidius, un jeune sorcier orphelin connu pour avoir sauvé son village tout entier d'une armée de détraqueurs et du mage noir Raxidian en invoquant un patronus de souris. Oh, c'est Kino. Ouh. Oh, oh. Il vient de cette Gryffondor. Allons-y. Bob, elle a 15 ans! Mon personnage aussi. Et pourtant, la magie demande... T'as un moment, t'as besoin de ton aide. Qui est Duncan Dobhus? Le professeur est cadet. Bon, tant pis, on verra bien. Oh. Revelio. Oh. Je suis désolé, excusez-moi, je continue à m'extasier. Avouez, ça met la max quand même. Hein. En plus, il fait moche. Imaginez s'il faisait beau dehors. Oh. Lumos. C'est au rez-de-chaussée, ça. La statue me suit du regard. Attention, un chat. Tentons de faire la paix.
Mais oui. Oh, mais oui. Mais oui. Ce miaulement. On lui a pas coupé les couilles, lui, hein, c'est sûr. Hein. Revelio. Eh, ce serait pas là, la pièce? Attends une seconde. Lumos. Ah! Petit, viens là, gentil papillon. Gentil papillon, ça c'est un bon papillon, ça, ben oui. Plus qu'à retrouver ton propriétaire. Plus facile à dire qu'à faire. Je suis passé là, j'ai caressé le chat. Là, il y a la poudre de cheminette qui se débloque ou pas, elle se débloque, très bien. Ah, le voilà. Allez, va. Et hop, du papier pour me torcher. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Non, attends. Oh, elle me suit du regard. Arrête de papillonner. Il arrive au professeur Ronan de s'éterniser. Parfois, nous devons lui rappeler que le cours est terminé. Certains d'entre nous n'ont pas forcément envie qu'il revienne à la leçon. Oh, mollo. Ok. Lumos Maxima, Deprimo, Axio, Repelio, Inimicum, Expecto Patronum, Legilimens, Wingardium Lemuriosa, Defidio, Stupefy, Locomotor, Protego, Quaitus, Bombarda, Aberto, Levioso, Expelliarmus, Ridiculus, Diminuendo, Tarantalegra. Tarantalegra, j'aime bien, c'est celui qui fait danser. Relachio, Avis, ça c'est pour les piaf. Coloportus, Petrificus Totalus, Protego Horribilis, Nox, Lumos, Rictus Sempra. Ok, Rictus Sempra, ok quand même. Alohomora, Lacarnum Inflammatore et Relachio Glisso, d'accord. Très bien. Ok. Écoute. Ouh, la salle de classe, fais voir. Réveillez-vous. J'ai un gros coffre. Ouh, mais un petit coffre. Derrière une serrure, ok, ça sert à rien. Et... Regardez ça. Nous avons classe avec les griffons. Texas Granger. Vous ici. Alors attends. Histoire de ne pas... Merde. Ça revient. Histoire de ne pas... De ne pas... Oh, le pyjama ! Pouah ! Le claque-cul exceptionnel. Boop. Voilà. Excellent. Allons-y. Ah, classe commune, cool. Là, derrière toi, il y a une place libre si tu veux. Merci. Bonjour, je m'appelle Nati. C'est donc toi le nouvel élève? Tu as déjà rencontré le professeur Ronan? Est-ce que vous êtes prêts? Bienvenue en cinquième année. Bon, il s'agit d'une année charnière dans votre apprentissage de l'art des sortilèges. Mais je suis persuadé que nous la mènerons avec la passion et la rigueur nécessaires pour relever le défi. Bien, tout le monde, ouvrez vos livres à la page 517. Mais avant de commencer, quelqu'un saurait-il me dire la différence entre les incantations des sortilèges de changement de couleur et de croissance? La taille? Quelqu'un? Non, personne? J'ai bien peur qu'il soit trop tard pour réviser maintenant. Les mois d'été ont laissé des traces à ce que je vois. On dirait presque que vous avez passé les vacances à vous exercer, à vous lancer oubliette. Vous,
Vous devriez vous rappeler comment lancer un sortilège d'attraction. Bien, il semble que vous ayez grandement besoin de réviser. Trouvez un partenaire et prenez position de part et d'autre de la pièce. Puisque vous ne leur avez apparemment pas trouvé d'autre utilité, vous allez vous servir de ces livres et essayer de les attirer vers vous à tour de rôle. Chaque groupe n'aura besoin que d'un seul livre, Miss Dale. Merci. Allez à votre place. Les expressions faciales sont folles. Ce prof est fantastique, en vrai. En vrai, ça t'intimide de ouf et... Ah, Axio, merci. Alors, Axio, c'est un petit flic de la baguette. Oui, 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 oui. Hop là. Axio. Hop. Pas mal du tout. Un jeu d'enfant. C'est bien, vous apprenez vite. Vous avez du potentiel, mais n'oubliez pas. Le potentiel n'est rien sans pratique. Pratiquez, et vous pourriez rivaliser avec Missonaille. Vous avez bien travaillé, c'est terminé. Bien, vous semblez tous maîtriser les bases, et il fait particulièrement beau aujourd'hui. Je vous propose donc une petite excursion pour prendre une bonne bouffée d'air frais. Suivez-moi. Mais ce prof, il est incredibly based. Le cours dure 5 minutes, paf, travaux pratiques. Quant au pouvoir d'attraction de Miss Onai, je n'en doute pas une seule seconde. Ah. J'ai toujours pensé que le plaisir venait avec la maîtrise. Et je suis sûr que les joueurs de Quidditch ici présents acquiesceront. Hein? Donc, rien de mieux qu'un petit peu de sport pour mettre à l'épreuve votre maîtrise du sortilège d'attraction. N'est-ce pas? Et si nous laissons notre nouvelle recrue commencer? Mais lui aussi, son power level est craqué. Tout simplement, lancez Axio sur l'une des sphères, puis révoquez le sortilège au tout dernier moment. Bien. Voyez cela comme des bave-boules, par exemple. Mais au lieu de les lancer, vous essayez de les faire venir à vous. Ok. L'astuce est de tirer la sphère autant que possible, mais pas plus, ou elle tombe. Action. D'accord? Très bien. Action. Excellent contrôle. Marc, tu sais qui? Bien sûr. Point faible, trop fort. Très bien. Des points pour Serpentard. Ouais, des points. Mais rien de tel qu'un petit affrontement amical pour pimenter les choses. Miss Onai, voulez-vous bien défier votre camarade? Montez. Oh. Vous aurez les bleus comme tout à l'heure. Mademoiselle Onai, vous serez rouge. Compris? Compris. Allez, Miss, montre-moi ce que tu sais faire. Ne te laisse pas stresser, surtout. N'écoute pas ma voix qui te murmure dans l'oreille. Ouh, ouh. Mais c'est proprement inacceptable, ça. Action, action. Oh, oh. Dommage. L'anti-jeu. Après tout, un score parfait n'a pas d'importance. L'important, c'est simplement de la vaincre. Très bien. Voyons voir. Oh. 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 Non, voilà, non, non. Ce ne sera pas suffisant. Action. Bravo.
Facile. On va rendre les choses plus intéressantes, d'accord? Oh. Je crois qu'on a déjà dépassé ce stade. De fait. Assez discuté. Concentrez-vous maintenant, vous en aurez besoin. Cette manche sera décisive. C'est parti. T'as chié ! Est-ce que je t'ai déjà dit que tu étais à chier ? Action ! Ton tour. Attention, manipule les boules avec précaution. Professeur. Merci. Professeur, s'il vous plaît. Professeur. Action. Mais garde ton sang-froid. Tu te débrouilles très bien. Impressionnant. Je sais. Voilà comment on fait. Il est temps de faire ce que j'appelle un coup d'éclat. On attend le moment incroyable. Et... Incredibilis! Ah, dommage. Un score parfait. Oh well. C'est remarquable. Le beau geste. Le beau geste. Bravo à vous deux. Beau travail. Dommage, je voulais faire sortir sa boule, mais c'est pas grave. Tu peux remplacer cette attention maléfique pour le beau geste. J'ai essayé d'augmenter ton score. Je pense à tes notes, la galanterie. Le cours est terminé. N'oubliez pas vos affaires en sortant. C'était vraiment bien joué. Ça m'apprendra. Je n'aurais pas dû te sous-estimer. J'ai mis des semaines à vraiment maîtriser Axio. J'ai mis des semaines à réussir quoi que ce soit à mon arrivée. Ça s'arrange avec le temps, je te promets. Ah oui, ah oui, je vois ça, je vois ça. Est-ce que tu as vu ta carte de score? Tous ces points! Rends-toi simplement compte! 110! Tu sais compter jusqu'à 110? Merci, mais je me débrouille très bien tout seul. Tu as confiance en toi, c'est bien. J'étudiais à Ouagadou avant d'arriver ici en quatrième année. Ma mère a eu l'opportunité de venir enseigner la divination ici. On a immédiatement quitté l'Ouganda et on a traversé la moitié de la planète pour rejoindre une autre école dans un autre pays. Il s'en bat les couilles, hein ! Vous avez vu sa tête ? La pauvre ! Elle raconte le voyage de la moitié du monde en 1900 ! Surtout que Ouagadou en 1900, c'est énervé, tu vois ! Ouagadou est une école plus grande que Poudlard ? L'école de magie de Ouagadou est la plus grande au monde. Alors oui, elle est plus grande que Poudlard. Mais je ne l'ai jamais trouvée intimidante ou oppressante. Je m'y sentais chez moi. La plus grande école, n'est-ce pas ? Eh bien, cela explique très certainement que ton panel de compétences soit aussi... dilué ? Est-ce que Ouagadou est un château, comme Poudlard ? Elle est située dans les montagnes de la Lune. Ce n'est pas vraiment un château, mais un bel édifice taillé dans la montagne. Oh. Je me souviens de la première fois où je l'ai vu. Le brouillard était si épais que je ne distinguais presque rien. Puis elle s'est matérialisée devant moi. Une gigantesque école qui semblait flotter au-dessus du sol. Oh, genre comme Petra ? Genre comme Petra, mais en l'air ? En vrai, c'est ultra stylé. Sans déconner, hein. C'est peut-être une question étrange, mais les sorts sont les mêmes là-bas ? En grande partie, oui. Mais j'ai dû apprendre à me servir d'une baguette en venant ici. Personne ou presque n'en utilise à Ouagadou. Ce regard !
Étrange, je pensais pourtant que même en 1900, les bouts de bois étaient à votre portée technologique. Mais j'imagine que les sorts lancés sans utiliser de baguettes doivent être moins puissants, non? Non, non, pas du tout. La magie lancée sans baguette magique est tout aussi puissante. Je trouve la magie sans baguette plus intuitive. Et bien plus pratique si jamais on vient à égarer cette dernière. Ah, elle a raison, ça c'est vrai. Mais je dois avouer que ça me plaît beaucoup d'utiliser une baguette. Ça donne un côté théâtral. Ah, c'est bien, ça lui plaît. Ça lui plaît. Normal que les modes anglaises te plaisent, jeune femme. Le théâtre, c'est la vie, la prestance, l'existence, comme j'aime à dire. Mais j'avoue, hein, j'avoue. En plus, il faut savoir que dans le lore d'Harry Potter, la magie africaine, elle est ultra énervée. Voilà. Elle est ultra énervée de ouf. Ils font des trucs, ça veut rien dire. Et sans jamais toucher un bout de bois, si tu veux, donc let's go. C'est passionnant de découvrir d'autres écoles de magie. Ton intérêt me va droit au cœur. Ouagadou me manque, mais je suis contente d'être ici à Poudlard. Ah, je crois que le professeur Ronan voudrait te parler. Mieux vaut ne pas le faire attendre. À la prochaine fois. Bien sûr, il est possible d'utiliser Axio sur les humains, si tu le souhaites. En réalité, il faudrait l'utiliser sur les vêtements, Sébastien. Tu sais bien que ce sortilège ne fonctionne pas sur les humains. C'est son meilleur pote, mais il ne le regarde pas dans les yeux quand il lui parle. Tu me diras, c'est pas comme s'il était au courant. Et il se guide avec... Je peux vous parler un instant? Je suis désolé, mais pour moi, je trouve ça kino de ouf. Je trouve ça kino de ouf. Attends, je peux lui parler, lui? Le professeur Ronan me rappelle mon grand-père. Une grande sagesse, mais un petit grain de folie. Revelio. Ok. Vous vouliez me parler, professeur? En effet. Votre premier cours d'enchantement était-il à la hauteur de vos attentes? Eh bien, je ne m'attendais pas à participer à une compétition en extérieur, monsieur. Ne dit-on pas que la vie est pleine de surprises? Vous avez surpassé Miss Onaille, une élève pourtant brillante. Merci, professeur. J'ai apprécié le duel. Miss Onaille est particulièrement redoutable, même si elle me paraît quelque peu distraite ces derniers temps. Le professeur Weasley nous a demandé de vous donner des cours particuliers en dehors du cursus habituel. Je vous prépare une tâche des plus spéciales. Attendez-vous à recevoir bientôt de mes nouvelles. Oh. C'est cool, ça. Fantastique. Ouais, non, les sorciers africains de Ouagadou dans le monde d'Harry Potter, c'est énervé de ouf. Dans le chat, ça dit, ouais, ils peuvent se... en troisième année, ils peuvent se transformer en éléphant. Ouais, non, ils ont des rituels de fou qui peuvent changer le climat. Qui peuvent faire en sorte que les éléments te ciblent, qui peuvent transformer littéralement des montagnes en lions, ils peuvent causer des raz-de-marée, des fléaux, genre... En fait, les sorciers de Ouagadou, c'est des sorts de zone. Ils ne font que des sorts de zone. C'est des mecs, tu vois, qui s'asseyent sur le sol devant un feu, qui font... comme ça pendant une demi-journée, tu vois. Et à la fin, il se passe un truc qui wipe out Paris. Il se passe un truc qui est énervé. Voilà. Qui est de masse. Voilà, qui est de masse. Eh, hey, bonjour. C'est bien toi qui viens d'arriver. Samantha Dale. Serre d'aigle. Eh bien, voyons voir ce qu'on peut serrer chez ce bel oiseau. Bonjour. Tu voulais me parler? Samantha Dale. J'avais hâte de te rencontrer. Tu es l'élève dont tout le monde parle en ce moment. J'espère que cette première journée se passe bien. Tu as fait des étincelles en cours d'enchantement. Un jeu d'enfant. Merci, mais ce n'était vraiment pas si compliqué. Mon frère William te dirait d'avoir plus confiance en toi et en tes capacités. Même s'il faut bien dire que son arrogance lui a déjà joué des tours. Bon, j'ai des devoirs à faire. J'ai apparemment un peu plus de difficultés que toi avec les leçons du professeur Ronan. Oui, tu as l'air de t'y connaître en... difficulté. Pardon. Vraiment, quel régal, hein. Oh. Oh. Revelio. Fais pas planter mon jeu. Je te jure, chat, si tu fais planter mon jeu. Chat. Je te jure, si tu fais planter mon jeu encore une fois, je vais...